Bonsoir à toutes et tous, vous le voyez sur notre animation, des nuages, des précipitations, cet enroulement présent demain vers l'Irlande qui va générer une perturbation assez active au-dessus de nos régions. Précisément, donc, sur le Grand Ouest, prévoyez vendredi un ciel gris, un temps maussade avec des pluies en provenance de l'océan, des pluies parfois modérées et continues vers la mi-journée et des températures en baisse par rapport à ces derniers jours, des maximales de 21 degrés à Vannes et jusqu'à 23 degrés à La Roche-sur-Yon. Plus précisément, donc en Loire-Atlantique, déjà en matinée, un ciel gris et rapidement pluvieux, des pluies généralisées, parfois fréquentes et modérées et des températures au lever du jour homogènes de 15 à 16 degrés. Dans l'après-midi, toujours un temps maussade avec des pluies parfois régulière et modérée, qui vont toutefois au fil des heures se décaler en direction de l'est et à l'arrière au fil de l'après-midi. Donc un ciel plus variable avec des averses, quelques éclaircies en direction du littoral. Maximal de 21 degrés prévu à Saint-Nazaire, 22 degrés à Nantes, 23 degrés à Machecoul. Concernant les vents, ils seront de secteur sud, assez fort avec des rafales qui vont approcher localement les 70 km/h sur le littoral et 50 km/h à l'intérieur des terres. Concernant l'évolution pour Nantes, encore un ciel variable samedi avec quelques averses possibles. Puis dès dimanche, une météo nettement plus anticyclonique et chaude à partir de lundi. Regardez, 28 degrés pour cette journée, 31 degrés même mardi. L'évolution pour Saint-Nazaire est la même. Avec, vous le voyez, cette météo estivale qui va s'installer dès la semaine prochaine et pour plusieurs jours. Voilà, vous savez l'essentiel. N'oubliez pas de fêter demain les œufs. on va perdre trois minutes de soleil. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur nos programmes.